Bonjour à tous, c'est parti pour une petite séance qui va mêler pilates, un peu de stretching, voilà, on va prendre soin de soi. On va se placer sur le dos, donc vous allez avoir besoin d'un tapis et on va dérouler la colonne tranquillement, petit à petit. Donc pour commencer, on va se mettre genoux poitrine, on garde les genoux bien serrés et on va effectuer des petits ronds dans un sens. Donc on a le temps, on masse le bassin, le dos, on sollicite les fessiers. Et surtout, on respire. On va changer de sens tout simplement. Donc faites lentement, mais assez grand, hein, sans chuter forcément sur le côté. Mais enroulez bien le bassin. Voilà, on va bien à droite, à gauche. On éloigne bien les genoux aussi hein, pour avoir de l'amplitude, vu que c'est un petit mouvement. Et vous allez stabiliser. Donc toujours pour avoir plus d'amplitude, on va allonger les bras de façon à avoir les genoux loin de soi, mais on surveille son dos, hein, bien à plat. On inspire et sur l'expiration, genoux poitrine, on enroule bien le bassin et si ça va, vous enroulez la tête avec. On repose, on éloigne. On inspire et de nouveau, front genou, soufflez. Donc la tête, si ça ne va pas, vous faites juste le bassin. Encore une fois, on inspire, on éloigne, on gagne de l'amplitude. Et sur l'expiration, on se met en boule. Et vous reposez la tête et les pieds, largeur, bassin. Bras le long du corps. Sur le placement initial, vous veillez à avoir l'empreinte de votre dos contre le tapis. Et donc le mouvement va partir du nombril, hein, des abdos profonds. Vous allez inspirer, lancez vos bras loin derrière en engageant bien le nombril. Donc surtout, vous veillez à ne pas creuser, toujours l'idée de l'empreinte contre le tapis. Sur l'expiration, vous ramenez les bras plafond et sol en veillant à tirer les doigts vers les talons pour bien baisser vos épaules. Et tout ça en ayant le dos bien scotché sur le tapis. Allez, on inspire. On va chercher loin derrière. On engage le centre. Et sur l'expiration, on ramène tranquillement bras le long du corps. Donc les bras ne sont pas ramollo, hein, on tend jusqu'au bout des doigts. Encore, inspirez. Donc ayez vraiment conscience que vous ouvrez bien la cage thoracique. Et sur l'expire, on revient tranquillement. Du moment ici que vous gainez, vous n'avez pas d'autre choix que de respirer au niveau de la poitrine. Donc sur l'inspire, on verrouille et on a conscience qu'ici on respire plein poumon. Et sur l'expiration, on revient. Le souffle est long. Il faut que vous ayez le temps d'accompagner votre geste. Une dernière fois. On inspire. On va chercher loin, 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 loin derrière. Et sur l'expiration, vous reviendrez tranquillement. Bras le long du corps. Vous allez de nouveau ramener les genoux à la poitrine. Comme tout à l'heure, on éloigne, on inspire et vous ramenez front genou sur l'expiration. Donc enroulez bien, étirez dos fessier et si la tête ça ne va pas, vous faites juste mouvement de bassin. Encore, on inspire. Sur l'expiration encore, front genou. Une dernière. On inspire et sur l'expiration, on étire le dos, les fessiers, on se met en boule, on sollicite sa colonne et on repose de la même manière la tête et les pieds, largeur, bassin. Bras le long du corps au départ et là on va faire un petit effort, c'est de détacher les bras ras du sol. Sur l'inspiration, vous allez emmener le bras gauche loin derrière. En ayant toujours l'idée d'avoir l'empreinte du dos contre le tapis, donc on ne décolle pas, on engage le centre et sur l'expiration, vous allez inverser. Donc votre bras revient comme si vous vouliez toucher votre talon et le bras derrière, on ne le pose pas, mais c'est comme si vous étiez aimanté. Allez, vous inspirez. On va chercher vraiment la pièce de part et d'autre et sur l'expiration, vous revenez et vous faites ça de manière ample. Contrôlez et on engage toujours le nombril, le centre ici. Et expire.
Allez, vous tendez votre mouvement jusqu'au bout des doigts. On inspire, on va chercher le mur et le talon. Sur l'expire, même chose. Et on ne lâche pas le centre. Toujours scotché au sol au niveau des lombaires. Allez, on inspire. On expire. Donc sur chaque mouvement, vous calez une respiration. J'inspire bras gauche. J'expire bras droit. Voilà, en ayant toujours le dos bien scotché, le nombril engagé. Voilà, donc surtout s'il y a des problèmes d'épaule, par exemple au niveau articulaire, vous faites plus petit, vous contrôlez, vous veillez à être à l'écoute de vos sensations. Ajustez, faites un mouvement ici bien contrôlé et toujours le nombril à aspirer, hein, ça c'est important. On va le refaire encore une fois. J'inspire bras gauche, j'expire bras droit, donc votre bras droit étant derrière, c'est lui qui va revenir. Hop, et on ramène genou poitrine, attrapez vos genoux, éloignez, attention au dos, on inspire, et front genou, soufflez bien. Encore, on pose, on inspire, donc les genoux loin, mais attention toujours au dos, sur l'expiration, front genou. Allez, une dernière fois. Inspirez. Et enroulez. Donc, si la tête ne passe pas, faites exclusivement le bas du corps. On revient. On repose les pieds largeur bassin, bras le long du corps. On va refaire un petit tour d'extension ici. Mais par contre, c'est le bras droit qui va commencer. Donc, veillez à engager le centre, hein, le dos à plat. Et on baisse les épaules. On inspire. C'est le bras droit qui part loin derrière, cherche à être très grand. Et sur l'expiration, hop, vous changez. On inspire, bras droit. On expire, bras gauche. Donc attention, hein, ici ça ne va peut-être pas brûler au niveau abdos, mais cherchez toujours la sensation d'extension, d'être aimanté dans le sol. Allez, j'inspire. J'expire, je tire hein, jusqu'au bout des doigts. Allez, toujours ici, bien contrôlé, pas d'apnée. J'inspire sur le bras droit, j'expire sur le bras gauche. J'inspire et j'ai le temps de souffler. Encore. Surtout, vous ne touchez pas le sol à chaque fois, vous êtes ras du sol. Hein. Encore. Inspirez. Toujours aimanté ici. Expirez. Une dernière fois. J'inspire. Allez, on ne lâche pas le nombril hein, très concrètement. Expire, c'est le bras gauche qui se retrouve derrière. Donc, vous allez le ramener. Et vous ramenez également les genoux à la poitrine. Même chose, genoux liés. Éloignez-les du buste. Inspirez, attention au dos et sur l'expiration. Front, genou, se met en boule. Encore, on repose. On inspire, on éloigne. On expire, on se met bien en boule, hein, on étire bien le dos, fessiers. Dernière, inspirez et soufflez tranquillement. On va reposer la tête et vous allez reposer les pieds au sol, largeur, bassin. Bras le long du corps et bras au sol surtout. Maintenant, on va s'occuper des jambes, mais c'est toujours la même base. L'exercice part du centre et donc abdos, lombaires et monté vers le tapis. Vous allez inspirer, vous allez allonger votre jambe gauche. Ras du sol, pointe de pied tendue, pas de dos creux. Hein, on a engagé son nombril, donc normalement on est scotché. Si c'est trop dur, vous allez un tout petit peu plus haut. Là on travaille au poids de corps, donc la jambe vous emmène vers le sol. Et sur l'expiration, hop, vous allez revenir. Et on va simplement alterner. Donc tout ce qui est tête, épaule, bras, c'est au sol. On laisse cette partie tranquille. On s'occupe à partir du nombril jusqu'aux orteils. On inspire, on allongera la jambe droite, ras du sol. On ne pose pas son pied. Si ça va, on tend bien jusqu'au doigt de pied. On engage, pas de bassin qui bouge. On est bien ancré. Et sur l'expiration, vous revenez. Donc attention, on allonge progressivement. On ne claque pas son genou. Et attention aux crampes, hein, si ça ne va pas, vous laissez la cheville libre. On inspire, on allonge. Donc là, on engage, on est scotché.
Et sur l'expire, on repose. On inspire par le nez. On tire. Et sur l'expire, alors soit par le nez, soit par la bouche, c'est comme vous voulez, vous ramenez. Allez, encore. J'inspire, j'allonge. Ras du sol, j'ai engagé. Et sur l'expire, je ramène. Encore. J'inspire. Et je souffle, je reviens. Attention au bassin, fixé. Serrez bien vos abdos. Donc, vous rentrez le ventre hein, très, très fort. On inspire et on est gainé et on est en extension. On engage bien là et on expire. Hop, on ramène. Et ici, on lâche rien. Encore. Inspirez jusqu'au bout des doigts de pied et expirez. C'est comme si on tirait votre pied. Hein. Donc, j'inspire. Hop, on allonge. On gaine très fort. On expire, on revient. Ça ne va peut-être pas brûler, mais vraiment, essayez d'être très enfoncé dans le sol avec le nombril. Allez, j'inspire. Jambe droite, j'expire, je reviens. Encore. Inspirez. Tirez. Expirez. Revenez. Encore. J'inspire, j'allonge la jambe droite jusqu'aux orteils. J'expire, je reviens. On va le refaire une fois de chaque. Inspirez. Tirez la jambe, expirez, revenez, on a le temps, on ne claque pas son clou. Et j'inspire, j'allonge, et j'expire, je reviens. Et vous ramenez encore, genoux, poitrine. Vous éloignez vos genoux, vous inspirez, et de nouveau en boule, soufflez. Alors normalement, vous avez très plaqué, donc maintenant, on fait l'inverse, on se met en boule. Encore, inspire, et souffle en boule. Une dernière fois, inspirez, et front genou soufflé ou juste genou poitrine si au niveau du cou, hein, ça pose un petit problème. Et on repose, et la tête et les pieds largeur bassin. Très bien, on va pouvoir combiner tout ce qu'on a vu. Alors attention à la coordination. Bras le long du corps, pieds largeur bassin, et évidemment, on rentre le ventre, on engage le centre, on aspire son nombril. Ça ne va peut-être pas brûler, mais vraiment, le poids qui vous indique que c'est bien engagé, ce sont vos lombaires qui sont bien scotchés au sol. Allez, on y va ensemble sur l'inspiration. Vous allongez le bras gauche loin derrière et en même temps la jambe droite. Donc attention, ce sont bras et jambes opposés. Et sur l'expiration, vous allez simplement ramener le pied droit et le bras gauche. Sur l'inspire, on engage le bras droit loin derrière avec la jambe gauche. Donc là, vous cherchez le plan horizontal, ras du sol. On ne pose ni la main ni le pied. On ne détache pas le dos. Et sur l'expire, vous ramenez. Le but du jeu, c'est d'être très en extension, bien engagé et être aimanté vers le sol. On reprend. On inspire. Le bras gauche et la jambe droite. Là, j'inspire plein poumon. Je suis gainée et sur l'expire, je reviens. Donc, n'allez pas trop vite. On cherche l'extension. On a le temps. Inspirez. Bras droit, jambe gauche. Sans creuser ici, on engage. Et sur l'expire, on revient. Encore, j'inspire. Alors, si jamais vous creusez, vous allez un tout petit peu plus haut au niveau de la jambe et sur l'expire, vous ramenez. Attention à ce que ça ne fasse pas naviguer hein, sur les côtés. Donc, j'inspire, je cherche vraiment le plan horizontal. Ça me fait creuser malgré tous mes efforts. Je vais un tout petit peu plus haut et je reviens. Allez, encore. Inspirez, engagez et expirez, ramenez. Encore, inspirez, bras et jambes. Opposé, attention, hein, faites attention à ne pas ramener le même côté. De toute façon, si vous faites le même côté, vous allez voir que ça va vous embarquer. Encore, j'inspire. Bras à gauche, jambe droite. J'ai gainé, j'ai engagé ma cage thoracique et j'expire, je reviens. Encore, inspirez. Tirez bien le mouvement de part et d'autre. Et j'expire, je ramène. On le refait encore. Inspirez. Expirez. Encore, j'allonge, j'inspire, je reviens. Encore une fois de chaque,
Inspirez. Placez bien votre mouvement avec la respiration. Hein. J'expire, je reviens. Pas d'apnée. Et encore une fois, on inspire. Et on revient. On ramène les genoux à la poitrine. Et comme tout à l'heure, vous avez les genoux loin de vous, on inspire. Et front genou. Vous soufflez. Encore. Inspirez. Expirez. Enroulez. Alors, toujours option tête. Hein, si vous sentez que la nuque est un peu fragile. Dernière fois. Inspire. Et soufflez bien en boule. Et vous reposez la tête. Bras le long du corps. Très bien. Genou poitrine. Pointe de pied tendue. On reste tête au sol, bras au sol et on engage le nombril. Sur le même principe, vous inspirez, vous allongez la jambe droite vers le mur, ici, ras du sol. Si ça vous fait creuser, vous allez un petit peu plus haut. Et sur l'expiration, vous changez. Toujours sans creuser, gainez. Attention à ne pas vous crisper. J'inspire jambe droite sans claquer mon genou, j'expire jambe gauche. Alors, si ça va, je vais viser vraiment le sol sans poser ma jambe. Si ça me fait creuser, je vais un petit peu plus haut. Sentez que vraiment on travaille au poids de corps et que le fait d'allonger les jambes, ça vous embarque vers le sol. Et donc, ici, vous êtes obligé de gainer pour ne pas creuser. Allez chercher les abdos profonds. J'inspire sur l'extension, j'expire sur l'autre. Allez. Inspirez, vraiment vous allez plus bas si ça va, si c'est un peu dur, un peu plus haut. Inspire jambe ici, expire jambe. Inspirez, expirez. Le but du jeu, toujours engager la ceinture abdominale. Attention à ne pas avoir les épaules qui commencent à remonter vers les oreilles avec un mouvement crispé. D'ailleurs, vous ne tenez pas votre tapis, hein, vous laissez les doigts au sol. Allez encore. Inspire, expire, inspire, expire, encore une fois, inspire, expire et ramène les deux genoux poitrine, attrapez vos genoux, éloignez, inspirez et front genou, soufflez, encore une fois, inspirez, éloignez, attention toutefois au dos, hein. Essoufflez, enroulez. On repose et pour terminer, même chose. Bras le long du corps, les doigts alignés au sol, la nuque également. On engage son nombril et on va faire la même chose avec l'autre jambe au départ. Donc j'inspire, jambe droite, j'expire, jambe gauche. Et si vous aviez fait l'inverse au départ, eh bien vous inversez maintenant. Donc vous inspirez sur une jambe. Vous expirez sur l'autre. Attention, les muscles commencent peut-être à être fatigués. Donc, vous risquez peut-être d'avoir ce petit creux qui commence à arriver. Donc, ces derniers mouvements, on fait encore un petit effort. On serre son ventre. On essaye d'aller chercher le tapis avec ses lombaires. J'inspire sur une jambe, très en extension. J'expire sur l'autre. Si ça va, je cherche le plan horizontal. Sans claquer mon genou, sans toucher le sol. Et si je sens que c'est trop creusé, vraiment, on n'y arrive pas, et bien on va un petit peu plus haut. Et serrez toujours. Allez, encore. Inspire. Expire. Faites-le à votre rythme. Si ça va trop vite, prenez le temps. Et surtout, ne moulinez pas. Tac, 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 tac. On y va tranquillement, il faut que vous ayez le temps de vous placer, d'oxygéner. Allez encore. Inspirez. Attention au dos. Expirez. Toujours un effort abdos. Inspirez. Expirez. Ramenez les deux genoux poitrine. Attrapez vos genoux que vous éloignez. Inspire. Et front, genou, soufflez. Encore une fois, toujours la tête en option, bien évidemment, on inspire et on souffle, on se met en boule. On repose la tête. Alors, comme au début du cours, on va effectuer des rotations. Donc là, je ne vous demande plus de rentrer le ventre.
On masse simplement bassin, sollicite le dos, les fessiers tranquillement. Et dans l'autre sens aussi. On stabilise. Et ici, vous allez vous laisser tomber sur le côté. Et on va terminer à 6. En tailleur, par exemple, vous allez inspirer. Vous allez vous grandir en vous penchant un tout petit peu sur le côté. Et vous relâchez. Encore, on inspire. On relâche. Encore une fois de chaque. Encore une fois. Voilà, légèrement penché, mais hein, juste ce qu'il faut. Soufflez, grandissez-vous plafond. Inspirez. Relâchez. Et une dernière fois, allez, grande inspiration. Et on relâche. Et je vous remercie. À la prochaine.